Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mon bonhomme. Ouais, joyeux anniversaire, monsieur Wheeler. Allez, on s'en fout. Je souhaite que la journée de demain soit aussi merveilleuse que cette partie. Non, Lucie. Chut, Louis, tu sais que lorsqu'on révèle un vœu, c'est exactement le contraire qui se réalise. Anguille, arrête de faire ton dégonflé. Louis est cool. Il a la maison de ses parents à lui seul. Ouais, mais les copains, vous devez quitter. Mes parents arriveront d'une minute à l'autre. Quoi? Ah. Grand-mère? J'ai une bien triste nouvelle à t'annoncer, Louis. Ne me dites pas que le Parti conservateur est encore au pouvoir. Mais pire que ça, mon petit. Tes parents sont morts, Louis. Non. Non! Souvent tôt le matin, je ne me sens pas bien, je prends mes antidépresseurs. Je n'ai pas le goût d'affronter, pas le goût de me faire taxer par Joe et Jérémia. Et puis je vois non loin de moi, Monsieur Racine qui veut me rencontrer. Non, mon examen je l'ai coulé, et je vais décrocher. Comme tous ceux qui sont ici, en vidéo et débat, même si c'est dur dans ma vie, je sais que ça passera. Au secondaire de Gracie, on vit beaucoup de drama. Hier, à la radio, Arthur a dit que je verrais Verratti. Hé les mecs, j'ai une triste nouvelle à vous apprendre. Mes parents sont décédés la nuit dernière. Oh, je suis désolé, Louis. Mais si ça peut te consoler, hier, j'ai couché avec Mélanie et maintenant j'ai sida. Anguille, mon bonhomme, tout le monde a le sida des Gracies, même Arthur et son copain asiatique. De mon côté, j'ai trouvé une façon de faire du pognon. Je vends des drogues à des Gracies. Génial! On va pouvoir s'acheter des vidéos. Ouais, c'est cool. Hey Zoé, est-ce que c'est vrai que tu vends de la drogue? T'as déjà visité des Gracies High? Ouais. Eh bien, avec ça, tu vas aller à des Gracies Super High. Oh... Aujourd'hui est un cours très important pour votre cheminement scolaire. C'est aujourd'hui que nous allons savoir si vous allez devenir un brillant avocat ou bien un vulgaire chirurgien. Mademoiselle Lucie, donnez-moi ce journal. Allez, je vais le lire devant la classe en guise de châtiment. Cher journal, Charles est vraiment un beau garçon. Son regard perçant me hante depuis ce fameux soir où nous avons échangé quelques baisers dans sa voiture. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Jean? Arrête, c'est de ta faute. Ce n'est pas vrai. J'étais toute mouillée. Si, c'est toi qui voulais que je dise à mes parents que je t'ai mis enceinte. Arrête de penser juste à toi. T'es égoïste. Je vais avoir un bébé. Et il découvrit cette zone inexplorée qu'est l'anus. Mais tout ce qui est des objets peut avoir ses avantages. Votre attention, s'il vous plaît. Veuillez quitter les lieux par la sortie de secours. Allez, et plus vite que ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Eh, mais quelqu'un... Carrière de rap qui m'attend, moi! Non! Oh, hey! C'est quasi que c'est putain de jouer, Jérémia! Quelle horreur. C'est vraiment la pire journée de l'histoire de l'école secondaire des Gracies. Ouais, c'est cool.